Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une ouverture de courrier. Alors j'ai attendu, pas vraiment, du coup sans vraiment attendre, on va dire, j'en ai reçu plusieurs. Donc, notamment, j'ai reçu un courrier qui me vient de Mamie Jo, donc j'ai dit comme ça pour justement cacher les adresses. Donc je sors, ce sera plus simple. J'avais commencé à ouvrir ça. Vous gardez toutes vos enveloppes comme celle-ci, soit pour la récup, ou alors vous la découpez. Si vous avez la machine de chez Action, ça fait une deuxième couche et tous les dies passent. Sachant que j'ai ma demoiselle de Toga, elle fonctionne très très bien. Donc, dans cet envoi de Mamie Jo, qui avait un joli paquet comme ça, avec un joli papier, paquet cadeau Noël avec les, comment il s'appelle, c'est casse-noisette, un joli flot noir. Mais on va déjà découvrir sa carte. Quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, trop joli. Elle a utilisé donc un fond patouille, je pense à l'acrylique. Bonne fête, un petit oiseau qu'elle a embossé, paillettes. Et là, je lui avais envoyé une multitude de petites fleurs crochées. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne vous ai pas fait un tuto crochet. Et elle s'en est servie pour faire une couronne de Noël avec des petites découpes, je ne sais pas combien, du sapin, là. Et ça fait trop beau. Elle en a fait une couronne. Ça fait superbe. J'adore. Et j'étais très contente. Oh, j'ai mes petites fleurs. Ça fait trop beau avec un joli fond. Patouille, ma Mamie Jo fait des merveilles, et à l'intérieur forcément, elle me souhaite donc les vœux pour 2021 et ainsi de suite je te remercie infiniment, je te fais des gros bisous Mamie Jo, ta carte elle est magnifique. Elle est superbe, j'adore, avec des demi, je sais même pas si c'est une demi-perle, elles sont métallisées. Ça fait juste trop beau. Fallait penser, c'est pas bête. Utilisez vos petites fleurs crochées comme ceci pour en faire une couronne de Noël. Eh ben, bravo, j'adore celle-ci. Je vais l'épingler sur mon petit mur parce que j'aime bien. Ensuite, à l'intérieur, il y avait une petite ATC. Dans une petite pochette craft. Ouais, c'est vrai. Sur le ton de l'humour. Donc, c'est vœux humoristiques faites le 10-12-2020. C'est la 2 sur 5. C'est Mamie Jo. Donc, un fond. Alors, un papier holographique. Là, elle a embossé des paillettes sur une petite arabesque. Un mini tag. Meilleur vœux. Ces perles, j'aime bien. Là, je sais, elles sont métalliques. J'aime bien. Et avec un tamponnage de chat qu'elle est venue coloriser. Avec un petit bonnet de Noël. Trop mignonne. Donc c'est la 2 sur 5. Et c'est vœux humoristiques. Trop joli. Merci Mamie Jo. Ça va compléter ma petite collection. Et ensuite dans ce joli paquet avec le ruban noir que je vais regarder. Parce que des rubans noirs on n'en trouve pas. Puis surtout des fins. Ils sont pas trop gros, on n'en trouve pas des masses. Donc forcément j'ai ouvert et elle dedans, elle m'a offert plutôt. Vous savez les dentelles qu'on a tous chez Action. Alors ces dentelles là, moi je m'en sers essentiellement pour faire. Et j'ai des motifs que je n'avais pas. Je fais des pochoirs, je fais mes papiers dentelles avec ceci. C'est génial, j'adore. Bon, pas que, on fait plein de choses avec cette dentelle là. Et c'est vrai que par un moment, je n'en trouvais jamais dans mon Action. À chaque fois que j'en voulais, parce que mon Action est très loin. Moi, ça me fait faire 80 km pour aller dans un Action. Et donc, quand j'y vais, voilà. Et en plus, en ce moment, avec le couvre-feu, c'est pas possible du tout. Donc, celle-ci que je n'avais pas. Donc, j'ai hâte d'essayer avec mon brou de noix pour faire mes papiers. Donc, je m'en sers essentiellement comme pochoir, la bleue. J'adore le bleu. Ou alors tout simplement, des fois ça m'arrive de détourer les petites fleurs, de les découper et de les coller sur une créa en mix média. Ou coller carrément le
la dentelle sur une boîte ou un canvas et puis repeindre dessus. J'ai sauté, repeindre, ça apporte un peu de structure à votre créa. Et c'est génial, ça, on n'en a jamais trop. Je te remercie infiniment, Marie-Jo. Ça, c'est pas perdu, j'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup et je suis contente parce que j'ai des motifs que je n'ai pas. Ça va être génial. Donc, merci tout plein. Et moi aussi également, je te retourne mes voeux. Mon envoi est parti. Donc, je ne sais pas quand, parce que quand même, ça bidouille un petit peu en ce moment avec la poste. Donc, mon envoi est parti. Depuis le temps, moi, ma pauvre, que t'attends. Mais c'est parti. Et puis, moi aussi, je te souhaite surtout le meilleur pour 2021. Je te fais des gros bisous. Ensuite, j'ai reçu une petite cartoonette de Marie-Christine du 84, je crois. Je ne suis jamais. Parce qu'il y en a plusieurs des Marie-Christine. Et elle pense toujours à moi. C'est quelqu'un d'adorable que j'apprécie beaucoup parce qu'elle me suit depuis au tout début de la chaîne. Donc, je voudrais récupérer la petite enveloppe. Ça sert toujours les enveloppes. Hein. Donc, là, oula, bon. Une jolie petite carte. Merry Christmas, Happy New Year, bonne année. Et dedans, son petit mot. Elle est trop jolie, cette petite carte avec des petits bouts de... des petites branches de houx. Aussi, je te fais des gros bisous, donc en sachant que Marie-Christine me dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire sa carte. Mais tu sais, l'intention, c'est l'intention qui compte. Et je sais que vu ton métier, tu dois avoir beaucoup de boulot en ce moment. Ça, je peux te le comprendre. Et puis, être sous pression. Et c'est moi qui te souhaite bon courage et que tu aies beaucoup de force et surtout que tu ne tombes pas malade. Et je te souhaite également tout ce qu'il y a de meilleur pour l'année 2021. Et sache que ça me fait très plaisir parce que tous les ans, depuis le début de ma chaîne, Marie-Christine est une abonnée qui est très fidèle et elle m'envoie toujours des superbes envois et elle est d'une gentillesse et ta carte, elle est très jolie et je te remercie infiniment d'avoir pensé à moi. Mon envoi est parti également pour toi, donc je ne sais pas quand tu le recevras. Voilà. Donc c'est marrant parce que moi aussi, je pense à toi, forcément, et ça fait très plaisir et mon envoi est parti également et je te fais plein de gros bisous et surtout plein de courage. Et je te dis à bientôt chez toi, bisous bisous, merci infiniment Marie-Christine. Ensuite là, alors moi je m'y attendais pas, on se demande pas qui c'est, avec une superbe enveloppe, je cache, hein, c'est mon adresse qui est là, en écoprint, c'est une tuerie, hein, ça on le sait tous, Isa avec son écoprint, avec un joli timbre rhinocéros, et puis forcément Fruit, Isa Créa, on présente plus. C'est Fruit. Alors par contre, comment je vais la décoller ton enveloppe? C'est bien gentil, mais là je vais zinguer le Fruit. Je vais être obligée de faire comme ça. Ça fera une pochette. Si j'y arrive. Je vais faire ça comme ça. Je vais pas y arriver. Si, je peux peut-être découper tout doucement comme ça. L'enveloppe. Sans... Tout fin. Voilà. Ouais, ce sera mieux. Ça, poubelle. Alors, je vous laisse avec l'écoprint. À l'intérieur. Oulala. Oulala. Il y a des petites cartes. Ah oui. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ces cartes patchwork. Elle s'est inspirée de Lori Marie Jenkins. Elles sont trop belles. Moi, j'adore. Donc, forcément, c'est collé. Et elle a cousu un sapin Destroy. J'adore. Et tout de suite, ça connote l'hiver, Noël, les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est vrai qu'elles sont superbes, tes petites cartes. Tu m'as pas mis de mots. Ah, d'accord. Et puis, à l'intérieur... Ah, tu me l'as laissé vierge. À l'intérieur, c'est les fameux tampons qu'on a trouvés chez nous, ce qu'ils font... Noël scandinave, ils sont trop beaux, tu l'as embossé, ça fait juste trop beau, j'aime bien. Et là son collage momie, moi j'appelle ça momie, ça fait trop beau.
Elles sont trop belles, tes petites cartounettes, ma froute. Et donc, forcément, dedans, je regarde parce que. Qu'est-ce qu'elle t'a mis là-dedans? Ah, bah, mais une petite souris, un petit embellissement souris et une hache. Alors, ça rigole pas, mais ce sont les. Ça, c'est les embellissements qu'on a tous sur les bûches de Noël. Et bah, moi, je les garde. Bah d'ailleurs, c'est avec un truc comme ça que je me suis servi pour faire ma vitrine de Noël pour le YouTube Pop de décembre, si je me souviens bien. Et une petite souris, bon, qu'est-ce que je vais faire de la petite souris? Bon, trois toujours moyens, c'est du bois, de la caser quelque part, de ces Wikipédia. Alors pourquoi une souris avec une hache? Et là, un petit embossage de la plaque métal. Chez Timmols avec un fond patouille, ben c'est une tuerie, ton fond patouille, et derrière elle m'a mis un petit mot. Bon. Donc en fait, elle m'écrit. Bon, en fait, rien à dire, hein. On se voit tous les jours, lol. Bonne année, Frode Pissou. Elle est folle, cette fille. Alors attends, la souris et la hache. Il y a un message là-dedans. Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé ça. La hache. Souris. Alors, je suis pas dedans, ma froute. À mon avis, il y a un code parce que cette fille-là, elle est bizarre, non? Vous trouvez pas? Et elle envoie des codes. Je pense que c'est un code. Mais la souris et la hache. Tu m'aurais envoyé une poupée, j'aurais compris encore à la rigueur. Mais une souris. À souris et l'âge. Eh ben, je vais réfléchir. Je sais pas du tout. Ah! Ça y est, moi, tu sais, moi, la blonde, le temps que ça arrive à mes neurones, je lui avais envoyé un colis. Et dedans, j'avais mis des spécialités de ma région, dont donc les madeleines. Et elles ont été mangées par les souris. Et en fait, il m'a donné la hache, la souris, pour que je coupe la tête à la souris. D'accord. Donc, tu me renvoies la souris. Je suis désolée. Oui, je les tue, les souris. Oui, c'est pas bien. Mais je vais peut-être les élever parce que bientôt, on va peut-être mourir de faim avec cette histoire de pandémie, de crise économique. Donc, je pense que je vais faire un élevage de souris et de rats. Et comme ça, je mangerai du rat. On mange bien du ragondin. Ça doit être bon aussi. Je n'ai jamais testé, mais quand on a vraiment faim, je pense qu'on peut manger de tout. Je ne mangerai pas mon chat, mais je mangerai plus facilement du rat. Voilà, donc, ouais, je vais plus les tuer, je vais les élever maintenant. Voilà. Elle est complètement folle, cette fille. Donc, tout ça, pour me souhaiter les meilleurs voeux avec sa jolie carte. D'ailleurs, elle en a fait un tuto sur sa chaîne. Je vous mettrai le petit là. Et un petit peu d'abossage et sur les coprints. Tout ça, et ben ça Isa Fruit, hein. C'est Fruit, c'est Isa Créa. Merci pour la petite souris, merci pour la hache. Merci les filles, merci Marie-Christine du fond du cœur, merci Mamie Jo. Elle est trop belle ta carte, j'adore. Je vous remercie toutes et toutes pour vos envois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!